Les plantes de la Bible, le blé. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 8, la terre promise est présentée avant tout aux Israélites comme un pays de blé et d'orge. On distinguait deux sortes de blé. Le blé encore sur pied, Exode chapitre 22 verset 5, Deutéronome chapitre 16 verset 9, et on distinguait aussi le blé en grain prêt à être engrangé. Genèse chapitre 41 verset 35, chapitre 42 verset 25. Généralement, le blé était moulu jusqu'à l'obtention d'une farine ordinaire ou fleur de farine. Et cette farine ordinaire ou encore fleur de farine servait à la confection du pain. Premier livre des Rois, chapitre 5, verset 2, Ézéchiel chapitre 16, verset 13. Cette farine ordinaire, cette fleur de farine, servait aussi à l'élaboration des sacrifices. Ézéchiel, chapitre 29, verset 2. Genèse, chapitre 18, verset 6. Parfois, on fouettait vigoureusement les épis pour en retirer les grains de blé qu'on mangeait cru. Deutéronome chapitre 23, verset 26, Matthieu chapitre 12, verset 1. Parfois aussi, on mangeait les grains de blé grillés. Lévitique chapitre 23, verset 14. Livre de Ruth, chapitre 2, verset 14. Le blé était une provision très facile à transporter. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 17. Chapitre 25, verset 18. Deuxième livre de Samuel, chapitre 17, verset 28.